Et toi, tu dis? Je sais pas encore, attends, je compte. Mais la rapidité ne rentre pas en ligne de compte dans ce jeu. Bonsoir Paris, yeah. Salut tout le monde, c'est Bia Hassani, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais super bien parce que aujourd'hui, je suis accompagnée de mes deux personnes préférées de la Terre. Donc, je vous présente ma maman, si vous ne l'avez pas déjà vue, on a déjà fait genre, je crois, t'as déjà apparu deux fois sur deux ma fois, chaîne. Oui. Donc, maman. Bonjour. Et Johan de la chaîne Spark Dance. Toi, en bref, un habitué en résidence sur la chaîne Villa La Salle. Et donc, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, on va faire un challenge. Ça va être ma mère vs mon meilleur ami. Donc, je l'ai vu sur la chaîne de Gloria et j'avais trouvé ça archi bien. Ça va être trop drôle. Ouais, ça a l'air drôle en fait. Et donc, le but du jeu, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça va être ma maman et Johan qui vont un petit peu se battre sur des questions sur moi. Et on va voir qui des deux me connaît le mieux. Ce qui va se passer, c'est que je vais poser 10 questions. Vous allez chacun, genre, lever la main si vous avez la bonne réponse. On fait 10 questions. Ça, allez, ça. On est prêt. Ouais. Je vais commencer simple. Après, je vais aller vers. Moi, je suis prête. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle va vous plaire. Avant de commencer, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Un pouce bleu en l'air, bref. Un commentaire gentil si vous voulez, parce que évitons. Et de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification. Et aussi, genre, de partager la vidéo avec tous vos amis. Par respect. Et sans plus attendre, je vous laisse avec la suite. La première question que je vais vous poser. Quelle est la date de sortie de... Pourquoi tu lèves la main déjà? J'ai eu beaucoup de dates de sortie. Je sais pas. Quelle est la date de sortie de... Exact, à l'année et tout, de House Down, mon single. Qui a levé la main en premier là? C'est Amina. Et vas-y. Le 13 novembre 2017. Non. Ça... Non. le 11 novembre 2017. Non. 10 novembre 2017. Non, 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 t'as donné une réponse, après c'est bon, t'as. Ouais, ouais. En janvier 2018. Hein? House down, vraiment. 8 novembre 2017. Hmm? 9 novembre 2017. 9 novembre 2017. Ah, girl. Je voulais savoir. Enfin, c'est ton anniversaire, carré, le 9-9. Enfin, 9. Non, mais là, c'est pas mon anniversaire, on est le 9. Oui, bon, bref. Bon. Donc, c'était le 9 novembre 2000. Ah, moi, je pensais que vous alliez être archi fort. Tu as tellement de singles aussi, on peut pas retenir. 4. Le jeu ne fait que commencer. Allez, continue. Yes. Combien de fois ai-je déménagé? Vas-y. 11. Enfin, j'ai le point. Ok, vas-y, vas-y. Le un point. Point. Un partout. On donne un partout. On donne un. C'est la seule fois où je vais faire genre un truc comme ça gentil et tout. Très bien, très bien. Ok, donc, quelle est ma chanson préférée de tous les temps? Oh, c'est deux femmes qui se battent là pendant qu'elles chantent. Ah merde, je connais pas le nom. C'est une chanson de Beyoncé. Ah bon? Dis une chanson de Beyoncé. Hold Up? Non. Crazy in Love? Formation? Ouais, c'est Crazy in Love. Ah non, je pensais que c'était le duo. Bon, maintenant, 05-05, parce que moi j'ai trouvé la chanteuse et lui il a trouvé le titre. Oui, mais je l'avais en tête. Non, mais tu l'as pas dit. On fait 05-05? 05-05. Ok, 1,5. Mais donc, oui, c'est Beyoncé Crazy in Love. C'est Beyoncé Crazy in Love. En deuxième, c'est Toni Braxton. He wasn't man enough for me. Oui, voilà. Ouais, mais elle est toute seule. What are you thinking? Et quelle a été la première série que j'ai regardée de ma vie? Oh là là. Ever. Vas-y. Desperate Housewives. Wow. Ouais. Tu devais savoir. Mais oui. En plus, c'était mais... maman qui avait acheté le coffret de la saison 1. Et elle m'avait dit, tu regardes pas ça, tu regardes pas ça. Parce que c'était pour les grands un peu. Et j'avais regardé à 7 ans. Le jeu continue. Je suis youtubeur, j'ai une chaîne YouTube. Oui. Actuellement, est-ce que vous pouvez donner le nombre d'abonnés que j'ai sur ma chaîne? 167 000. Le nombre d'abonnés sur ma chaîne? 248 000? Non. Il y a un 6, 260 000. Non. 250 000. Non. Bah on fait qui le juste prix. Ah non, mais moi je sais pas. Alors tu dis ton dernier, moi je dis mon dernier, c'est celui qui est le plus proche. Vas-y. 255 000. 260 000. C'est lui. Tu as combien? 247 813. Bravo.
Wow. Félicitations. Ah, j'ai dit 148 000 tout à l'heure en plus. Ah, merci, Marie. Oui, t'étais tout près, mais j'étais en mode rapproche-toi plus, s'il te plaît. Bon, 3,5 à 1,5. Wow, mais bon, il n'y a pas de 3 non plus. Est-ce que vous pouvez me donner le nombre de concerts que j'ai fait au total? Genre de concerts où je suis allée. 6. Et toi, tu dis? Je sais pas encore, attends, je compte. Mais la rapidité ne rentre pas en ligne de compte dans ce jeu. Que, je sais pas, parce que s'il met 10 minutes pour compter comme ouais, ça, non, vraiment, genre 5, le point ne compte pas. Mais il y a tous les petits concerts qu'on a fait, genre même, tu comptes genre les Harry Styles tout ça hein? Ouais. Merci pour Harry Styles. 6. Donc vous devez vous dire 6. Ah, j'ai dit 6, non. Ouais. Girl, on en a plus. J'en ai fait genre 14. Non. Minimum. Oh. J'ai ouvert ma chaîne YouTube le... ouvert ma chaîne YouTube, pas commencé à faire des vidéos. Ouvert la chaîne YouTube. Oh. Fuck, j'ai mis sur inscription YouTube. Oh, 2013. Attends. Non, c'était pas en 2013. J'ai levé les mains déjà. D'accord. Nous étions à Arpajon. Premier appartement de Arpajon. Ah, comment tu sais ça? Parce que je sais, parce que je me souviens de ta première vidéo dans cette chambre où il n'y avait pas de fenêtre. Je faisais des petits cacs. 15 vues à la vidéo. Et donc on était en... c'était en 2010. Fin 2010. Dernier trimestre 2010. Ouais, le 17 décembre 2010. Wow. Donc, 2,5, 3,5. Combien ai-je de perruques et comment s'appelle-t-elle? Vas-y. 4. Non. 3? Oui. Donc moi je dis, non, il y a une injustice. Mais tu l'as. Quand je donne les bonnes réponses. Ok, j'en ai. D'accord, d'accord. Non, non, non. Disons. Non, je la compte pas. Donc il y en a 3 et dis 3, c'est comment, c'est quoi leur nom? Il y a Paris. Ouais, celle-là, Paris. Ah. Mais non, je l'ai dit tout à l'heure. Je sais pas. Ok. La brune Gina et la rouge Kat Valentine. Ouais, et c'est juste 4, pas 4 Valentine. Donc on fait quoi là? C'est lui qui a le point. Parce qu'il a donné les noms et tout. Bon, ça t'en as 4. Parce que la Singapour elle compte. Elle compte pas, Donna, parce que c'est une synthétique. Moi, c'est à partir du moment où c'est humaine que je les cala et que je les claim en tant qu'être humain. Donc, vu que vous deux, parce que t'as un petit peu mélangé et tout par rapport au perruque, je vais vous mélanger le point en et demi et demi. Genre, merci. Vous le coupez en deux, parce que quand même, moi, elle a donné le chiffre 3 à la base en première. Donc, ce sera et demi et demi. Donc, ça fait que tu es à 3 points et toi 4 points. Wow. Il n'a aucun point d'écart. Mon album préféré de tous les temps. Le dernier album de Jay-Z et Beyoncé. Non. The Fame, Lady Gaga. Non. Lemonade de Beyoncé. Ouais. Yes, égalité, 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 égalité. Maman dans la compète. Dernière question. Nous sommes en 2014. Je passe sur The Voice Kids. Oui. Je suis en battle contre Lenny Kim et Swanee. Oui. À qui je fais des gros bisous. Je porte quoi comme tenue? Une chemise blanche avec des trucs de liberté là, des oiseaux, liberté, etc. Le pantalon. Un pantalon, un bleu jean. Et les chaussures, j'ai oublié leur nom, okay, les chaussures américaines là, les noires là, les grandes noires. Ok. Ça s'appelle comment? Une chemise bleue. Ah non, ça c'est ton audition. Là, tu vois les chaussures, ça s'appelle comment les chaussures? Les caterpillars. Les caterpillars. Mais là c'est de l'aide que j'ai fait. C'est de l'aide sociale. C'est de l'aide sociale que j'ai fait en donnant le fait que c'était des caterpillars. Donc t'es pas très loin, t'es archi loin. Déjà, je savais que tu chantais Nanego. Ah non, mais attends, non, mais c'est un t-shirt, c'est pas une chemise, c'est un t-shirt qui est avec les trucs de Mandela. Mandela. Il y avait pas Mandela derrière, écrit quelque part, Nelson Mandela, non. Liberté. Non, pas les points. En tout cas, non. Ça, c'était Nemo Griffman. Mais sinon, c'est un t-shirt, mais il y avait des oiseaux en des fait. Des oiseaux. Des ailes noires. Le t-shirt, il est blanc. Et oui, c'est Mandela au dos écrit. Et voilà. Et les chaussures, elles étaient bleues. Bleu. Bleu qui brille. Bleu vernis. Caterpillar. Yes. Il y a eu de l'aide quand même. Il y a eu un peu d'aide. Non, j'ai gagné. Wow. Il faut pas me gâcher ma joie. J'ai gagné.
hein. Voilà, vous êtes témoin, ouais. J'ai gagné. Donc c'est parfait. Donc il faut jamais désespérer, hein. Il faut toujours rester calme. Donc moi je dis, non, non, il y a une injustice. Bref, donc bah, c'est la fin de ce jeu. Maman a bravo. Gagné. Ouais. Est-ce que vous voulez que je fasse une autre vidéo avec Taha, mon frère, et Sullivan, mon autre meilleur ami? Ils se battent, et celui qui gagne se battra contre la gagnante de cette battle, ma mère, pour la finale ultime. Si vous voulez que ça arrive, eh ben, il faut que cette vidéo ait 20 000 pouces en l'air. Donc si vous emmenez cette vidéo à 20 000 pouces en l'air, on le fait direct et on emmènera ça jusqu'à la finale. Donc, j'espère que la vidéo, elle vous a plu. Moi, personnellement, je me suis grave éclaté à la faire. Ça m'a fait trop plaisir de Sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine, mercredi à midi, puis vendredi à 18h pour des nouvelles vidéos. Bye, bye. Bisous.